Je suis Dex Junior, joueur professionnel FIFA chez Solo eSport. Suis Dex Junior, joueur professionnel FIFA chez Solo eSport et triple champion d'Afrique FIFA. Je suis amateur depuis mes 4 ans et j'ai commencé dans le monde professionnel depuis 2 ans. Le tournoi a été organisé par Orange eSport Experience où il y avait 15 pays, 5 jeux sur 3 plateformes. C'était sur PC, mobile et sur console. Et pour la préparation, vu que le tournoi était en ligne, je devais me préparer avec la connexion car les pays sont éloignés en Afrique. Et en plein match, il peut avoir des lags, des coupures en plein match. Vu que je suis en Afrique et il n'y a pas de serveur en Afrique, je suis obligé de jouer avec les serveurs qui sont en Europe. Et vous connaissez, avec la distance, la connexion, elle n'est pas bonne. Et du coup, des fois, je perds des matchs à cause de la connexion. Et c'est vraiment pas top. Deuxième problème, c'est que des fois, pour les pros, quand tu joues en ligne et un boy il te bat, ils postent le résultat partout sur Twitter ou bien Instagram. Mais on n'y peut rien, c'est la vie d'un pro, donc on s'adapte. Je joue à plusieurs jeux, mais je suis plutôt bon à 2K. Mais ça ne veut pas dire que je peux être pro, hein, juste que voilà, je suis un peu bon, du coup, voilà. Des joueurs qui vont me fatiguer en Afrique. Je peux dire à mon frère, hein, parce que dans plein de tournois, on se rencontre en finale. Des fois, il me bat, des fois, je bats. Mais il y a d'autres bons joueurs en Afrique. Mais je veux dire mon frère. Pour le moment, je joue à la bêta. Pour la bêta, c'est une version fermée qu'on donne aux joueurs vérifiés pour qu'ils testent le jeu. Et je veux dire que c'est pas mal. Mais le problème, c'est que EA, il peut pas faire un jeu que tout le monde veut. Du coup, nous, en tant que pro, on doit s'adapter au jeu pour après faire nos performances. On a une team avec mes potes qui s'appelle Jambar eSports, c'est un club de club pro. J'aime bien jouer avec eux voilà quoi. Parce qu'on joue bien, collectif, tout ça, mais en vrai, j'aime bien jouer avec eux. Ça va aussi. Mon joueur préféré, c'est Raphaël Leao, Georges Mila AC, meilleur joueur du monde. Tiens.